Bienvenue à Saveur Locale. Aujourd'hui, nous retrouvons encore une fois avec grand plaisir pour une recette très simple. Alors, aujourd'hui, nous vous présentons un gâteau maille très simple. Dans Rodrigue, un de ses gâteaux traditionnels, c'est gâteau mapemba maille, comme on appelle, qui longtemps tu fais à l'eau du bois. Mais aujourd'hui, nous vous présentons une recette de maïs revisitée. Veut dire, nous prenons les autres ingrédients qui nous ajoutent dans la recette. Et bien sûr, nous pouvons cuire dans le four. Donc là, nous avons une tasse de maïs écrasé. Nous avons une tasse de farine qui nous tamisée avec la moitié sachet de levure chimique. Et aussi, nous avons un verre de lait. Nous avons aussi 225 g de beurre, 200 g de sucre. Nous avons un raisin qui nous met trempé dans 2 cuillères de rhum pendant 1 heure. Dans sa recette là, nous pouvons mettre 4 dizaines. Nous pouvons mettre aussi amandes concassées et ou capable parfumer aussi avec zeste d'orange, donc qui nous pourra dans la préparation. Et là, ce gâteau-là, traditionnellement, nous accompagne avec du thé noir. Et bien souvent, à Rodrigue, nous faisons du thé à base de feuilles d'agrumes, feuilles limon, feuilles citron. Et là, nous avons feuilles pamplemousse. Donc, nous pouvons faire une infusion de thé normal, mais comme on le dit, du thé très clair, avec deux feuilles de pamplemousse qui nous ajoutent là-dedans. Et là, cette infusion-là, on est capable de mettre du sucre, ou capable aussi de mettre du miel. Et ça nous peut accompagner ça, nous peut accompagner nos gâteaux avec ça du thé là. Et là, pour démarrer, d'abord, nous pouvons mélanger du beurre qui nous peut battre avec et du sucre. Au fouet. Et là, nous bien mélangeons nous du sucre, nous du beurre, nous blanchis. Et là, nous voilà. Mettre nous le bon ingrédient, donc nous pouvons mettre nous la farine maille, une tasse, et aussi nous la farine blanc qui nous met la moitié sachet de levure chimique. Et nous tamisons bien sûr, et là nous pouvons continuer à mélanger. Et là, nous pouvons mettre nos 10 œufs dans la préparation. Nous pouvons mettre N par N. Je veux dire, nous en 4. Et là, nous mettons nos derniers desserts. Bon, rappelez-vous qui dans sa préparation là, nous peut servir 4 desserts. Et nous mettons N par N. Et là, nous bien mélanger, nous ajoutons du lait.
Voilà, nous gagnons une pâte bien lisse. Je veux dire, là, nous mélangeons d'abord du sucre avec du beurre. Ensuite, nous mettons la farine maille. Et nous mettons la farine aussi, une tasse de farine. Que nous mettons moitié de sachet de levure chimique qui nous tamise ensemble. Nous mélangeons le tout. Et nous incorporons nos 10 F N à N, c'est-à-dire 4 10 F. Et là, nous pouvons tout simplement mettre ce dernier touche avec un parfum qui nous peut ajouter, une saveur qui nous peut ajouter là-dedans. Là, nous pouvons mettre nos amandes concassées. Nous mettons nos raisins qui nous mettent trempés dans le rhum pendant une heure de temps. Pour les bien gonfler. Et dernier ingrédient qu'il nous faut ajouter, c'est zeste d'orange. Nous mélangeons tout. Et là, nous pouvons le mettre dans nos moules et nous pouvons le mettre cuire à 180 degrés pendant au moins une quarantaine de minutes. Bien sûr, nous vérifions avec une lame de couteau. Si les sorties secs, veut dire nous gâteaux une prêt. Là, nous prenons le beurre nos moules. Et là, on met la farine à l'intérieur pour les bâtonner. Là, nous pouvons mettre nos gâteaux au four. Nos four qui est déjà préchauffé à 180 degrés. Et là, nous pouvons laisser cuire pendant une quarantaine de minutes. Et ensuite, bien sûr, avant, nous pouvons vérifier la cuisson. Pendant qu'il nous gâte maille au four, là nous pouvons préparer du thé. Donc, comme on dit, un thé avec feuilles de pamplemousse. Donc là, nous mettons de l'eau bouillie. Ensuite, nous pouvons infuser du thé. Comme on dit, nous boire du thé très clair, c'est-à-dire une cuillerée à café pour deux tasses de thé. Et là, nous pouvons mettre nos feuilles. Et nous choisir une feuille qui est encore jeune et nous pour lave nos feuilles pour nous l'infuser quand nous délo une buis. Et là nous délo des buis, donc nous pouvons mettre de la balle du thé. Et nous mettre deux feuilles de pamplemousse. Et à la place, vous pouvez mettre également feuilles de limon,
feuille, six feuilles ici. Et là, donc c'est prêt. Nous taillons, nous laissons infuser jusqu'au moment que nous pourrons l'aborder. À ce moment-là, nous pourrons mettre soit du miel, soit du sucre, selon le goût. Voilà, après 40 minutes de cuisson, on a checké si nos gâteaux sont prêts. Et là, nous pourrons démouler le gâteau. Voilà, maintenant, nos gâteaux maille est prêt. Dedans, nous avons raisin sec. Et nous avons aussi amandes et zeste d'orange. Et là, ce gâteau-là, nous sommes capables tout simplement accompagner avec une confiture si vous en voulez. Ou pourquoi pas avec la glace aussi. À l'accompagner avec une confiture fruit de la passion, c'est-à-dire une confiture de grenadine. Et on peut accompagner avec une confiture de choix. Et là, pour terminer, nous sommes capables de mettre un petit peu d'amande concassée aussi. Là. Voilà, ça va local prend fin ici. Merci de suivre nous. Aujourd'hui, nous nous présentons un gâteau maille avec amandes concassées, également raisin, zeste d'orange. Et nous l'accompagnons avec une confiture de fruits de la passion, confiture donc de grenadine. Et là aussi, nous l'accompagnons avec un du thé avec feuilles de pamplemousse. Et là, nous mettons du miel au lieu du sucre, ou capable de mettre du sucre aussi, selon vos choix. Alors, on espère que vous appréciez la recette et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bon appétit!